Bonjour tout le monde. Alors je vais vous montrer comment protéger vos fichiers par mot de passe avec un petit utilitaire qui s'appelle AxeCrypt que j'ai ici sur mon bureau. Donc on va lancer le setup. Ok. J'accepte. Je clique ne pas recevoir de mise à jour. Je vais l'installer dans Program Files. Et je l'installe. Alors je réponds non. Oui. Je ferme. Voilà, donc mon logiciel est installé. On va chercher à protéger un dossier. Par exemple, je vais prendre dans mes documents, mes vidéos, mon dossier donc qui contient des vidéos téléchargées sur le net. Je fais clic droit sur le dossier. Ici, vous pouvez voir que AxeCrypt s'est rajouté. On va faire crypter. Ici, vous rentrez un mot de passe, vous le confirmez. Et vous faites OK. Donc ici, AxeCrypt est en train de crypter les différents fichiers qui se trouvent donc dans mon dossier net. Donc on le laisse un petit peu travailler tout seul. Voilà, AxeCrypt a fini de crypter mon dossier. Je clique sur le dossier et vous pouvez voir donc que tous les différents fichiers du dossier sont protégés par une clé. Alors par exemple, si je veux regarder cette vidéo, je clique deux fois dessus et il nous demande d'entrer la clé. Donc je rentre mon mot de passe, je fais OK. Il est en train de décrypter. Et voilà, la vidéo est en train de se lancer. Alors, très simple d'utilisation. Maintenant, si je veux tout simplement libérer le cryptage du dossier ou même d'un fichier, vous faites clic droit, AxeCrypt, décrypter. Je rentre mon mot de passe. Et je fais OK. Et voilà, donc le fichier n'a plus de mot de passe. Donc vous voyez, le logiciel AxeCrypt est très simple d'utilisation pour protéger vos fichiers, vos dossiers par mot de passe. Voilà, voilou.